Alors, coucou tout le monde. Donc, j'ai reçu un petit courrier ce matin. C'est en avant-première, je vais ouvrir avec vous. Et après, je vais essayer de faire quelques ATC Halloween. Je n'en ai pas encore fait. Il me faudrait de quoi ouvrir le courrier. Hop. Mais on avait déjà fait notre échange, non? Bibi 25. Il me semble. Qu'est-ce que j'ai fait de bêtises? Alors, attendez. Elle m'a mis un petit mot. Oh mon Dieu! D'accord. Bon, j'espère que tu as reçu ton courrier quand même. Je me suis trompée dans le code postal. Tiens, tiens. Ouais, des fois, on veut se dépêcher et puis j'espère que tu as quand même reçu. Enfin, je suppose que oui, tu as dû recevoir ton courrier parce que sinon. Oui, tu me l'avais dit en plus. Donc, c'est gentil et elle me met des petits mots. Des petits mots à découper. Qu'elle avait pris sur le tuto de Miss Miu Miu. C'est super gentil. C'est très, très, très gentil. En plus, il y en a des plus grands et des plus petits. Oh, c'est sympa ça. Ouais. Ça, c'est sympa. Bah, écoute, je te remercie beaucoup. Mille excuses. Hein, c'est le timbre, il est magnifique, le timbre. J'aime bien regarder les timbres, moi. Regardez. Bon, ouais. Bah, écoute, je suis encore désolée. Excuse-moi de m'être trompée. Et voilà, comme quoi il faut des fois faire très attention à ce qu'on fait. Donc voilà, je suis partie donc sur. Je veux faire des ATC pour Halloween. Je n'en ferai pas beaucoup. Je vais essayer d'en faire 9. C'est déjà pas mal. Je cherche tout ce que j'ai besoin. Ça, j'ai pas besoin. Le tampon non plus. Mes tampons sont là quelque part. Alors que personne ne bouge, j'ai perdu mes tampons. Mais ils sont là. Sont devant mon nez, hein, soit dit en passant, mais bon, voilà. Alors, j'ai pris une feuille un peu perlée, gris perlé, comme ça. Et je vais venir mettre de l'encre un peu partout. J'espère que je vais avoir le même résultat que j'avais fait sur un autre. Alors, c'est. Alors moi ces Stampin' Up, je ne sais jamais les ouvrir. Hein. J'ai toujours eu des problèmes avec ces ouvertures de. Voilà. T'as le droit de rire, Isa. Hein. Par contre, Stampin' Up, il me faudrait une orange. Je sais pas orange. Hop, je l'ai fait sauter dehors. Non. J'ai fait sauter mon. Aïe, mon truc dehors. Alors attendez, je le remets dedans. Enfin, j'essaye. Bon, je mets sur pause 2 minutes parce que je viens de faire une bêtise. Bon, me voici de retour, c'est réparé. Donc, je vais faire mes. Ah! Le coloriage. Alors, pas peur, hein, je fais un peu n'importe comment. En laissant un peu de blanc. Voilà, je fais pas de détails. On s'en fout un peu. Non, on s'en fout pas, mais c'est mon expression à moi. Voilà, donc ça, c'est. J'ai pris la Distress Vintage Photo, la claire, pas la foncée, puisqu'il y en a plusieurs. Ensuite, je vais prendre donc celle-ci, c'est la. Nanana, Brune Dune. Mon truc il est mal mise, mal mis mon truc.
Et je vais rajouter une couleur que j'avais pas mis hier dans ce que j'avais fait. Enfin, dans le. C'est pas des ATC que j'ai fait hein, hier. Je vous montrerai après. Voilà. Hop. Ça fait nuageux, j'aime bien. Je vais essayer de mettre un peu. Alors, comme j'ai pas d'orange, je vais prendre. C'est beaucoup plus clair. C'est la couleur. Tatata. Pêche fraîche. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Je crois même que je l'ai jamais utilisé celle-ci. Ça c'est. Ah j'aime bien. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça peut remplacer un peu d'orange. Alors je voulais pas trop orange non plus, donc ça tombe bien quoi. Hop. Ça donne un coloris assez j'aime bien. Moi, j'oublie les bords quand même, les coins, les bords. Il y a de ces vents chez nous. Mais alors un vent, je vous dis pas. Hein. Vous voyez, je fais un peu voilà, à l'arrache. Je trouve que c'est pas mal. Voilà, ça, ça sera mon fond. On aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime bien. Voilà. Un petit peu là encore, peut-être. Donc voilà, je ferme tout ça et je reviens. Voici de retour. Alors, j'ai choisi des tampons. Des tampons justement qui viennent de chez Stampin' Up aussi. Je ne sais plus de quand est-ce qu'il date cela. Ça fait un moment. Oula. Ça fait un moment que je les ai. Donc je ne dirai pas de quand est-ce qu'il date. Et je vais venir tamponner et des chats. Alors, j'ai aussi celui-ci que j'aime bien. Celui-là, il est pas. Donc, je vais le prendre ici, sur un autre tampon. Je vais prendre des petites toiles d'araignée. C'est pour faire le fond, hein. Après, la déco sera différente. Donc, ici, je prends le chaton. Le chatounet. Oups ! J'aime bien parce qu'il y a des inscriptions dessus. Je trouve assez marrant. Donc, on prend là, il y a sa fine. En fait, je vais faire mon fond et je vous reprendrai après, ce sera moins long. Alors voilà, j'ai tamponné comme ceci. Vous voyez, j'ai fait pas tout pareil. Mais je trouve que sur le fond, ça fait pas mal. On va continuer. Donc je vais couper maintenant mes ATC et après je vais voir ce que je vais mettre dessus. Donc j'ai fait toutes mes petites découpes que j'ai installées plus ou moins comme je voulais les mettre. Donc ici ce sera un petit la faucheuse. Voilà. Là par exemple il y a un chat, là il y a des chauves-souris. Donc je vais continuer hors caméra et je vous fais voir une fois ça terminé. Enfin du moins ça terminé. Me revoilà, j'ai eu quelques petites difficultés avec, avec ma caméra. Hein. Donc je reviens maintenant parce que je voudrais mettre un peu de glossy. Enfin je vais essayer. À certains endroits pour donner un petit peu de comme là l'œil du chat. Hop. Oula. Oh si ça le fait. La chouette. Enfin, moi c'est pas une chouette, un hibou ou je sais pas quoi. On va faire quelques petites machins comme ça là. Hop. Petits yeux.
Alors ici, j'avais essayé avec de la peinture, mais des feutres ça tient pas et la peinture ça tient pas non plus. Ça donne pas ce que je voulais que ça donne en fait. Donc voilà. Hop. Alors j'aurais bien aimé sur les petites flammes là, mais je sais pas du tout si ça va ressortir ou pas. On va voir, on verra bien. Comme c'est du transparent, ça se peut, hein. Pour mettre beaucoup parce que hop, à peine. Je sais pas si le glossy rouge ça existe, mais enfin bon, si c'est que pour ça, ça vaut peut-être pas le coup, rien que pour ça, d'acheter du glossy rouge. Je suis un petit peu appliquée. Bon, maintenant je vais essayer autre chose. Je sais pas, je n'ai pas une petite citrouille, j'aurais voulu essayer d'ajouter une petite citrouille. Je vais mettre sur pause et je vais regarder si j'ai ça par contre, parce que je suis pas sûre du tout d'avoir ça. Bon alors, ma caméra me fait des misères. Je sais pas ce qu'elle a, je sais pas si c'est le vent qui tape sur les fils ou c'est possible, les herbes, vous savez. Bon, les arbres, enfin bon, ça, je vais devoir faire un montage parce que là, je vais avoir 4 morceaux de... Rien que pour des ATC. Bon, enfin, c'est pas grave. Alors, ce que je voulais vous faire voir, donc, c'était mes petites ATC terminées quand ma caméra s'est arrêtée. Donc, il y a celle-ci. Puis finalement, j'ai mis un peu de peinture là, rouge. Et ben finalement, ça ressort avec le glossy. Donc, il y aura celle-ci. Celle-ci. Alors, sachant qu'il y en a deux qui sont réservés quand même. Voilà. Vous voyez, quand on fait ses fronts soi-même, enfin, tout compte fait, voilà. J'ai pas beaucoup. J'ai que deux trucs de tampons pour les fonds en Halloween. Et je n'ai pas beaucoup non plus de découpe Halloween. Je sais pas. C'est... J'aimerais bien, hein, mais... Je trouve pas et je pense pas peut-être à chercher. Enfin, si quelqu'un veut faire un échange de cartes ATC Halloween contre des découpes Halloween, je ne suis pas contre, sachant qu'il me restera... attendez que je fasse le tri. 4 cartes. Voilà. Alors, ce que je voulais vous faire voir en même temps, c'est que, bon, c'est pris, hein, je vous le dis tout de suite, elles sont déjà prises. J'ai fait ces deux petites mallettes sur le thème Halloween également, vous voyez. Voilà, parce que je me suis dit qu'avec les ATC, ça serait superbe. Donc, les personnes concernées, normalement, les auront reçues. Voilà. J'avais mis, pour celui qui a Instagram, j'avais mis sur Instagram mes petites mallettes Halloween. Donc, les petites fermetures ici sont des petites araignées. Donc, elles sont pareilles que celles que je vous ai fait en tuto. Hein. Simplement que, hop, j'ai fait mon fond comme ceci. Donc, un fond que j'ai colorisé, que j'ai tamponné. Et puis, là, bah, j'ai fait mes décos. Et ça donne ça. Voilà. Bon, ben je crois que je vous dis, je vous ai tout dit là-dessus. Donc, je vous dis encore que, encore une fois, pardon, encore que, ah, qu'est-ce que je parle bien, François. Donc, sur ces 8 ATC, il y en a 3 de réservés. Il en reste 5. Si vous voulez faire une échange ATC, il n'y a pas de souci, mais dites-le moi rapidement. Et par contre, sinon, si vous voulez faire un échange ATC, donc une ATC de moi, contre des coupes d'Halloween, ben je prends, voilà. Je crois que c'est un bon compromis aussi. Sur ce, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, bien que, quelle heure il est là, il est 3h30, donc je vous souhaite une bonne fin de journée, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne créa, bisous.